Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour l'épisode 8 de notre let's play sur Feu et les créatures. Il reste, sans compter cet épisode, uniquement 2 épisodes avant la fin. Je vais débriefer comme d'habitude, comme je vais le faire à chaque fois sur le machinima. Mais avant, je vous fais juste une petite annonce. Sachez que à l'heure où vous verrez cette vidéo, on sera donc mercredi. Sachez que ce dimanche, je vous sors une vidéo dans laquelle je vous proposerai un challenge construction à rénover. Et ensuite, je regarderai vos constructions en vidéo, vos rénovations de la construction que je vais vous proposer. Ce sera pour ce dimanche là, donc voilà, préparez-vous, vous êtes avertis, dimanche vous avez une annonce de challenge qui sort. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, le dernier date des 2000 abonnés et j'ai envie d'en faire un nouveau tout simplement pour voir un petit peu ce que vous allez me proposer. À propos du machinima, on a eu un bon gros machinima de 5 minutes avec pas mal d'informations. On a eu une première partie où les filles sont allées chez leur mère. D'habitude, leur mère n'aurait pas été très conciliante à parler et on l'a vu au début, elle était assez renfermée sur elle-même. Mais en remarquant en fait que ces filles avaient déjà plein d'informations, elle s'est dit ça sert à rien que je continue à mentir alors qu'elles savent beaucoup de choses. Donc elle a fini par délier sa langue et on a su beaucoup plus de choses sur son passé après. C'était un machinima très très riche en émotions. Je vais pas vous mentir que quand j'ai regardé le résultat, j'ai eu une petite Michette, je sais pas si ça a été le cas pour vous, avec les musiques de Genshin Impact, de Final Fantasy XIV aussi, vraiment, ça m'a mis beaucoup d'émotions, j'ai eu une petite larmichette, donc j'espère vraiment que vous aussi vous avez ressenti cette petite émotion là en voyant ce machinima, et je pense que là, vous comprenez pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'il fallait que Welsie grandisse avec un âge assez bas, en étant enfant, elle aurait pas eu la maturité nécessaire et la force mentale assez forte pour supporter ce qui vient de se passer dans ce machinima, parce que c'est quand même lourd quoi ce qui s'est passé, donc c'était essentiel qu'elle grandisse. D'ailleurs on voit au tout début du machinima que Feu elle dit bon maintenant Welsie c'est plus une petite fille, faut que t'arrêtes de nous mentir, il faut que tu nous dises la vérité, et c'est ce qui s'est passé. Donc elle nous a dit, elle nous a confirmé le fait que c'était bel et bien la grand-mère des filles qui avait assisté avec Rumil sans que l'une sache que l'autre était là à l'emprisonnement des créatures en fait. Du coup c'est pour ça que les filles ont conservé leurs souvenirs, leur mémoire au sujet de ces créatures. Elle a raconté qu'après ça comme les créatures, comment dire, accordaient des bénédictions aux villageois, notamment la bénédiction financière, là c'était plus le cas puisqu'elles n'avaient plus leur pouvoir, ce qui fait que la grand-mère des filles, donc la mère de Ondine, n'avait plus de quoi subvenir aux besoins de sa fille, donc elle a dû partir. Et donc en soi la mère des filles n'a jamais vraiment connu Enfordon Bagley parce qu'elle est partie de là-bas, elle devait avoir 3-4 ans, mais elle détestait toujours ce village parce que c'était à cause de ce village qu'elle avait vécu dans la précarité, qu'elle avait vu sa mère mourir de chagrin. Donc même si elle n'y a jamais vraiment vécu, elle a détesté ce village toute sa vie, donc on comprend pourquoi maintenant elle a réagi comme ça. Quand Feu voulait emménager là-bas, elle s'est dit tôt ou tard les souvenirs reviendront, je sais comment ça se passe. Et c'est arrivé, et au final il y a un petit peu un mur qui s'est brisé entre les filles et leur mère, parce que comme maintenant il n'y avait plus de secret, forcément ça va beaucoup mieux, même si c'était très dur. On a eu une petite scène finale de la première partie avec un petit câlin trop mignon, et ensuite on est passé du coup à l'explication que je viens de vous raconter, et voilà quoi, tout simplement on comprend beaucoup plus de choses. J'espère que ce machinima vous aura plu, même s'il était très très long, et je vous propose qu'on passe tout de suite en jeu. Alors la dernière fois, rappelez-vous, ça avait été très difficile financièrement parlant. On a eu beaucoup de problèmes, on a dû aller à Sulani pour se faire de l'argent, vraiment c'était une véritable catastrophe, ça a été très compliqué. Finalement on a réussi, on a fini par se refaire. Au niveau du potager aussi on n'avait plus rien parce que on est passé à l'automne, donc changement de saison, donc toutes nos plantes ne poussaient plus, donc c'était vraiment très compliqué. Alors il y a la fête des récoltes qui avait commencé, je l'ai annulée parce que je voulais pas la faire tout simplement, mais il y a du coup ces deux gnomes qui sont apparus et je voulais les vendre en vie. Comme ça vous comprenez bien d'où est-ce que cet argent va me venir, et on va pas se mentir, c'est pas de trop, hein, honnêtement c'est pas de trop, donc voilà, un petit peu d'argent en plus c'est pas trop mal. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup je vais m'occuper un petit peu des besoins des filles, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on invite un petit peu Tate et pourquoi pas l'ancêtre aussi. Alors tu vas aller faire un pissou, prendre une douche toi, comme ça ce sera fait. Comment est-ce qu'ils vont nos petits animaux sinon? Elle a très faim, elle est malheureuse, ok super. Je sais pas où est passée ma vache, mais oh, attendez, la mangeoire elle est vide. C'est sale, mais comment c'est possible que ça ait pu se dégrader aussi rapidement? Pourtant cette fois-ci j'ai pas joué entre deux parties, justement je les ai juste fait dormir parce qu'on s'était quitté le soir, mais c'est tout quoi, donc je sais pas ce qui a pu se passer honnêtement. Ici nous avons le petit poussinet, bon lui il est content, on va lui faire un petit câlin. Ensuite on va laver Margot, on va la traire aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Professeur stressé, le professeur doit sortir un moment pour prendre son médicament, il demande donc aux élèves de rester calme et de faire leur exercice de lecture pendant son absence. Welsie doit-elle obéir
obéir ou profiter de cette occasion pour faire ses autres devoirs. On va faire les devoirs, tiens. Ah mince, j'ai perdu. L'absence du professeur est moins longue que prévu et quand celui-ci revient, il voit que Wellesley n'est pas en train de lire. Il lui fait alors un sermon sur l'importance de rester assise calmement et d'obéir aux ordres. Tant pis, tant pis. Pulvériser de l'insecticide, désherber, on va désherber tout ça parce que c'est pas ouf, clairement c'est pas ouf. Là aussi, il y a plein de trucs à désherber. Je suis à quel niveau de jardinage, moi? Niveau 5. Je crois qu'à partir du niveau 7, on peut désherber de manière plus rapide. Ah oui, c'est vrai que Feuille, elle était partie vagabonder et là, elle a un cadeau pour nous maintenant. C'est trop mignon. Allez, dépêche-toi de terminer, s'il te plaît. On va lui faire un truc, on va l'embrasser. Énergie liquide, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est quand on est fatigué, je suppose. Attendez, donner une friandise. C'est vrai que j'ai pas testé ça non plus, j'aimerais bien tester. Est-ce qu'on peut donner des friandises au chat? Non, on peut pas. Donner une friandise saine. Toi, je vais donner une friandise aussi. Et bah, la dernière qui restera. Hein. Enfin non, je crois que j'en ai plus. J'en ai 5. C'est trop bien, j'avais jamais testé ça non plus. Poussinette est désormais sous l'effet, on dirait qu'il parle de drogue, d'une friandise aux protéines de poisson. En guise de remerciement, votre volaille pondra un œuf supplémentaire lors de la prochaine récolte. Cette dernière augmente l'espérance de vie d'une volaille, idéale pour ceux qui veulent garder leur volaille avec eux un peu plus longtemps. Fertiliser la culture, engrais super vitalité et là, engrais vitalité aussi, ça va être nécessaire. Hein. Je pense honnêtement que ça va être nécessaire. Lait puissant aux plantes, il faut que j'aille récupérer son lait. Et pour finir, on vendra tout ce qu'on a. Parce qu'on a besoin d'argent, donc on va rien récolter, on va juste tout vendre. Bon, ensuite elle ira prendre une petite douche. On invite du coup Rumil à venir passer un petit peu du temps à la maison. Et Wellesley est rentrée aussi. Oh, ses besoins sont nickel à part le divertissement, mais ça j'en ai pour 2 secondes. Alors, bah tu vas partir faire du vélo tout de suite. Ensuite, tu rentreras faire tes devoirs et j'aimerais vraiment inviter Tate. J'aimerais trop qu'ils se voient tous les deux. Voilà, ça fait plaisir de voir un petit peu du monde ici parce qu'on tournait rapidement en rond. Après, c'est vrai que voilà, c'est assez petit, c'est compliqué de recevoir du monde. Alors par contre, allume la cheminée s'il te plaît parce qu'il fait pas très chaud. Hein. Je vais venir aider Wellesley à faire ses devoirs. En plus, t'es plus très loin de la fin. Regardez comme elle se dépêche. Allez, tu vas aller inviter Tate et tu vas aller faire un pissou. C'est parfait. Devoir terminé, bonne réputation. Lorsque Feu se présentera à d'autres, elle aura plus de chances de commencer une relation avec une amitié plus élevée car elle est maintenant précédée par sa réputation. On avait eu le même message pour Wellesley. Tate n'est pas encore arrivé. Ah si, il est là. Cela me fait plaisir que tu ne trouves pas ringard mes blagues sur les lamas. Il est romantique. Oh, je me souvenais plus que j'avais mis ça. Être obsédé par son groupe préféré. Je sais pas pourquoi il est triste. Chuchoter à propos du béguin, illuminer la journée, partager des photos. Je veux vraiment qu'il soit content parce que c'est trop triste, oui. Oh, elle a mis sa tenue d'hiver, je crois. Ici, tout se passe bien. Il y a encore des trucs à faire évoluer, là. Est-ce qu'il est encore triste? Non, c'est bon, il est plus triste. Ok. Badinage et moustillant. Des sourires timides et des blagues charmantes permettent de jouer sur le ton et l'humour. Oh, c'est trop bien. Où est-ce qu'il est passé? Il est allé aux toilettes. Je l'ai mis mal à l'aise, il va se réfugier aux toilettes. Ah non, il va faire le ménage. C'est trop mignon, il fait le ménage chez moi. Je dois y aller, c'était vraiment très sympa. Oh non, je voulais manger avec elle. On va mettre la dinde. J'ai peur que Feuille me mange la dinde en fait. Bon, je pense que ça va aller. Annoncer le grand repas, comme ça tout le monde vient manger. Je vais prendre une chaise de la chambre. On va dire qu'ils l'ont déplacée le temps de manger. Apprécier la compagnie, c'est trop mignon. Par contre, Feuille, arrête de faire tes griffes sur mon fauteuil, s'il te plaît. C'est trop mignon. Du coup, ouais, je voulais pas montrer encore de près. Mais il ressemble à ça, du coup, maintenant. Il est trop mignon, j'adore. Échanger les numéros de téléphone, ils l'ont déjà, mais bon. On va faire genre qu'ils l'ont pas. Hein. Alors, toi, tu vas venir fouiller les poches, ensuite tu feras la lessive, s'il te plaît. Je vais aller ailleurs, dehors, je sais pas où, mais j'ai envie d'aller quelque part avec lui. J'ai envie de voir un petit peu. Je suis jamais encore allée dans les environs, donc ça me ferait plaisir d'essayer. Pendant ce temps, elle s'occupe des corvées, hein, super. Oh, attendez, je vois un truc briller là, c'est quoi? Chocobé. Oh, c'est vrai que j'en ai pas encore des chocobés. On dirait les ruines de Breath of the Wild. Oh, on va venir récolter des chocobés après. Frimer avec sa tenue. Se plaindre des parents, c'est pas ouf. Par rapport à sa situation, c'est pas terrible. Tate vient de devenir un bon ami de Wellesley. Ok. Demander des conseils sur les relations. Révéler un secret bien enfoui. J'avais envie de tester ça aussi. En adoration, Wellesley ne veut que le meilleur pour Tate et le trouve merveilleux. Wellesley se sent proche de Tate grâce à de bons moments et des souvenirs heureux ensemble. C'est trop mignon. Il est parti! Non! Je ne veux pas que tu partes. Partager un secret. Se tenir par la main. On va faire ça. Oh, c'est trop mignon. On va venir récolter les chocobés que j'ai vus là. Je sais plus où elles sont, mais je sais qu'elles sont là. Tout récolter. Parce que ça, c'est intéressant. J'en ai toujours pas eu dans mon let's play. Bon, il est bientôt fini, mais quand même, il nous reste 2 épisodes. Oh, c'est beau ici. Et une petite lueur verte là. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que cet endroit, je sais pas, c'est une espèce de petite ruine. C'est vraiment joli. Hein. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup.
Ouais, ça me fait penser aux ruines de Breath of the Wild. Il y a plusieurs zones comme ça, un peu isolées sur la plaine. J'aime trop. Ce fruit a exactement le même goût que le chocolat. Enfin, une alternative saine au chocolat. Écho du passé, visite les ruines de l'île du Goupil. Welsy ressent la force tranquille des ruines de l'île du Goupil, qui ont certainement vu passer une multitude de Sims et d'animaux fantastiques avant elle. Je savais pas que cet endroit créait une moodlette en fait à nos personnages. Ah oui, du coup, les chocobés. J'aimerais bien les planter avant d'arrêter la vidéo, donc je vais réveiller Feu, je sais c'est bizarre, mais on va réveiller Feu, je veux qu'elle les plante. Voilà, en pleine nuit comme ça, parce que je vais arrêter la vidéo là, donc... Donc tu vas venir me planter toutes ces chocobées, s'il te plaît, je vais l'envoyer dormir direct parce qu'elle est KO, et nous on plante nos chocobées à 1h du matin, tout va bien. Le soleil revient, enfin du coup la lune accessoirement. On va tout arroser. Ah, c'est joli comme ça. Je vous propose du coup qu'on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère que le machinima vous aura plu, que le gameplay aussi. Le let's play touche vraiment à sa fin. Donc merci beaucoup pour les commentaires et tous les retours que je reçois de vous depuis le début. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et en attendant, je vous embrasse. Bye!